Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la suite de Pokémon Lune. Donc là nous sommes au parc Malier. Non, nous étions au parc Malier. Et maintenant nous sommes au parc Malier. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, déjà, et un commentaire si vous voulez, enfin à la fin de la vidéo bien sûr. Et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Je vous en remercie. Et quoi de beau? Coxyclaque, ok. Ça s'implante. Ouais, voilà, hop. Pas se faire chier. Enfin, je change un peu le premier. C'est tout le temps lui qui gagne, les chiens. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Qui éclaire, bah oui, bien sûr. Hop, il avait encore charge la honte. La honte. Donc, Y, on va changer 20, 24, 18. Il faut qu'on gagne un peu d'XP. Ah, dresseur. Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Petite fille. Un mélo. Mimi. Alors oui, on voit. Ah oui, merde, c'est vrai. Oh. Fait passer, de toute façon, je vais changer. Il a que des attaques de merde, il en a qu'une de toute façon, donc. Allez, hop. Changer. Ça servait à rien. Mais bon, faut mieux que tu évolues, hein. Photocopie. Bravo. Tiens, prends ça, Croc-Éclair. Paralysé, cool. Merci, t'es vite. Hop là, évidemment. Hop. Fais chier. Oh, en plus confus, putain. Allez, faut lui tout mettre dans la gueule qu'on n'en parle plus. Oh putain. Ta gueule. C'est chiant quand ils font des trucs d'état comme ça. Eh, j'étais confus, eh, faut lui coup de pied, il n'en parle plus. Tiens. Encore une fois, jette la console par terre. Non mais oh, tu me fous de ma gueule ou quoi? Allez. Moi, ce coup de pied dans la gueule. Ben voilà. Tiens. Saoulé. Merci. Hop. On s'en fout. Tu m'as énervé. T'es pas gentil comme petite fille. On va quand même voir ce qu'il y a dedans. D'accord, c'est pareil. Hop, on passe.
Évidemment, je vais pas utiliser lui. Bah, vu qu'il a fait un truc, je peux pas t'attaquer, ça sert à rien. Donc voilà, je chauffe. Et voilà, tiens, bravo, ça a marché, premier coup. Trente, cool. C'est quoi, grincement? Hop. Ok, bon, je pose. Ah, oh, il évolue cool. Tom, 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 tom. Il va se transformer en robot. Et paf, grave. On dirait un peu une sorte de Metal Gear, mais bon, sans les pieds. Et deux. Tétard, mettant. Cool. Bon, je suppose qu'il va vouloir prendre quelque chose, comme dame. Voilà. Choc mental. Bah, de toute façon, il n'y a aucune attaque, donc il apprend. Griffe acier, ok. Cool. Bon, moi, il y en a quatre. Enfin, non, trois, mais c'est pas grave. Donc. Qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Il n'y aurait pas les trucs invisibles. Alors, qui c'est qu'il y a là encore? Hop. On va vérifier tout ça. Oh, un petit tard. Bonjour toi. Je suis capturé tout à l'heure, tiens, Pokémon Go. D'où il dort? Bon allez, t'as qu'à là, il va être réveillé en foutant une claque, tu vois. Tiens, voilà, réveille-toi, allez. Allez, debout, deux baffes. Ça réveille, deux baffes. Allez, trois. Putain, il gonfle. Bon. Exceptionnellement, on va le réveiller. Voyons voir. Je sais pas à quoi le servant. Hein. Donc, restore. Ok. Petit pépé. Merde, c'est là les blés. Alors, voyons voir. Tous les. Bah voilà, tous les problèmes, on peut pas chercher. Hein. Je laisse en 40. Voilà, il se réveille, allez hop. Tiens, une autre baffe. Vas-y, tape-moi, tu vois. Attends qu'il récupère. Allez, foulu. T'as foutu des baffes, faut le tuer. Oui, il pleut. On s'en fout. J'utilise pas de feu de façon, donc... Pas très efficace, ce qui est normal. C'est tout à fait logique. Merde, j'ai fait bélier. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je remettrai de la vie. Voilà, vas-y. Ouais, bof. Ah non, ah non. J'ai oublié ça. Merci. Putain, j'ai eu peur. Choc mental, allez. Ouais, bof. Normal, pas très efficace.
Ouais, un Pékin, il meurt, voilà. Non, 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 si. Oh putain! Je l'ai lu. Ah ouais, je dois déjà l'avoir. Bon, on va déjà tuer l'autre. Putain. Tu vois qu'il va me tuer ce con. 5-4. 3-2. Je suis mort. Connard. Pourquoi il appelle de l'aide? Ouais, je t'inquiète, j'appelle quelqu'un d'autre. Hein. Faut pas rêver. Hein. Je vais pas vous laisser en vie. Hein. Je vous laisserai pas en vie. Oui, on va. Bon, bah d'abord lui, hein, parce qu'il est plus fort. Hop, voilà. Hop. Celui-là. Hop, voilà, on n'en parle plus. Et n'appelle pas quelqu'un surtout. Je te l'interdis. Dans ce puits, c'est très bien. Si tu veux, de toute façon, tu vas mourir, donc... Non, 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 non. Non, non, merci. Et tu meurs. On n'en parle plus. Voilà. Ciao. Hop. Voilà. On part, s'il te plaît. Merci. Ouf. Tiens, est-ce qu'on peut aller dans l'eau? On peut aucune. Ok. J'aurais tenté. Ah, ça s'en est pas une. Quelque chose, ouais, mais bon, malheureusement, on peut pas plaire, on peut pêcher. Je vais voir. Ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, elle ressort sa truc et elle rentre dans la poche. On se demande comment elle fait. Allez, mort, bon Dieu, c'est pas compliqué. Ça demande pas grand-chose. Merci. Putain, faut obligé de crier pour que ça marche. Super. Je te remercie. Je te remercie. Allez, au revoir. Donc ça, c'est le pont. Ok. Par là. Hop, bon rage, ok. Ok, je pourrais faire le truc. Ouf. Gros champi, ok. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Putain, j'étais presque. Il était, hein. Ok, bon, on va fuir, hein. Que ça foutre. Quoi que on peut le tuer, hein. Hop. Hop là, voilà. Autant c'est un peu d'XP. Oh. On va pas se plaindre. Donc là, ouais, ok. Ah, c'est pas... Ah, c'est une dresseuse, putain, j'ai pas vu.
Il n'y a pas de truc bizarre noir là. La vacancière, ouais, on peut ses vacances. Un rat attaque. Go, let's go. Allez. Un petit gras grillé, c'est de bon. Oh, on n'a pas la moitié. Ouais, si tu veux, on va pas chipoter, hein. Tiens, prends ça dans ta gueule. Hop, voilà. On n'en parle plus. 36. Ah, échoue. Ah, c'est pas le même que tout à l'heure. Cool. Hop là. Tiens, hop là. Éclair. Si tu veux. Hop. La dernière fois il meurt, enfin si je meurs pas avant, je suis mort. C'est pas grave. Ah non, ouf. Vu que j'attaque en premier, c'est bon. Tenter un cool. 36. Au revoir. Elle se prend selfie. Oh, c'est la mode. Hein. Oui, on va. Hop. Ah non, on vient de là-bas. Ok. Ouf. Ok, donc là si on parle. Ok, hop, ben voilà le prof. Let's go. Alors prof. Yo la jeunesse. Méga patate. On a vu, bon il dit qu'on a vu une trèche humaine. Une très brèche, vous avez la chance. Faut devenir plus fort, ouais. Pour passer de l'autre côté. Ouais, ça serait cool ça. À la prochaine épreuve. On la rentre pour la route 10. J'ai rendez-vous chez. Oh bah il est toujours en train de bouffer lui. Il nous gonfle. Au courant de quoi? Un observatoire. Ouais, bah on s'en fout. Qu'est-ce hein. Que c'est une fois qu'il y a un observatoire là-bas, honnêtement. Bon, bah on repart. Hein. Hop. Let's go. Oh, oui, qui s'est mauvais encore elle. Ah, un service. Ça concerne Doudou, je suppose. Évidemment. Ah, les ruines, ok. J'ai demandé maintenant. Ouais, bah tu m'abuses déjà que t'es gentillesse. Par contre, faudrait hein, l'amener à la bibliothèque d'abord. Ok, il y a un ouvrage qui m'intéresse là-bas. On va chercher ensemble, c'est facile pour se rendre à la bibliothèque au milieu de la ville. Ok, bon bah. Allons à la bibliothèque. Je n'aime pas spécialement lire, mais bon. Avons-nous le choix? Toc. Je ne pense pas. Quoi? Quoi encore? Ah tiens, prof. Hmm.
Gentil, moi de me présenter, c'est. Oui, bah ça on sait, hein. Un petit peu, mais sans plus, hein. Ouais, bon, en gros, faut que je passe mes jambes. Ok. Cercle, triangle. Ok. Cercle, triangle, rectangle. Ok, bah c'est là. Bon, tourner, c'est pas non plus compliqué, hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a par là? Une autre route. Ok. Corps. Vous faites chier. Si je l'ai là, je l'ai là. Il y a quoi là-haut? Impossible, putain, on peut jamais appeler les montures dans la ville en fait, c'est pour ça peut-être. Ok, bon bah rentrons dans la ville. Hop. Ok, go. Donc, truc de vêtements. Là, il n'y a rien. Ah, ben voilà, on la voit rentrer en plus. Très, très compliqué. C'est encore pas du Mexique à l'école. Bon, allez, rentre à l'intérieur. Pêche-toi pas que ça fait. Eh bête. Tiens, cheval. Un cheval de trait, on dirait. Alors, ma foi. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? C'est qui cette charmante donzelle? C'est Lily. Une fille chiante. Bah, tu m'étonnes qu'il est gros quand même ce cheval, ça fait peur, hein. Qu'est-ce qu'il fait dans le coin? Visiter les ruines. Fille curieuse, qu'est-ce que ça peut te faire? Va nous aider, bah, c'est gentil. Je te remercie. Hop. Putain, il a de ses pieds, lui. Bon, bah, je t'attends, oui, rentre. C'est toi qui es longue, là. Toujours à papoter. Cherche un vieux livre. Ok, bon, bah, let's go, hein. Cherche. Moi, je me prenais pendant ce temps-là. Ok, qu'est-ce que tu me veux, toi? Je confie, on parle d'utiliser vol en fait. Ça s'appelle. Ça s'appelle. Ça s'appelle. Voilà. Appelle monture en fait. Ce serait la même chose, mais bon. Une CT, bah merci. Bah vol, comme par hasard. Merci. Hop. Tiki, toi. Ok. Tiens, qu'est-ce que tu fous là, toi? Toi qui fais tuto d'Isis, tu as déjà savoir. Pokémon légendaire, c'est tout que je connais, si tu crois. Oui, bah oui, ils ont chacun les formes d'Alola, tout ça, oui, bah ça on sait, oui. Il veut que j'en amène un, mais bon, je ne sais pas si j'en ai un. Oui, Pokémon de la Lune, oui, on sait, ouais. Si j'en ai un Pokémon d'Alola, tiens, en fait. Un chat. Il faut que je lui amène. Bon, tu trouves ton livre? Comme par hasard, il est ouvert sur la table. Super. C'est massif que tu cherches. Bah, merci. Alors, t'as raconté l'histoire là.
Le ciel immense est vide, soudain déchiré par une cavité béante dans laquelle surgit une créature que l'on baptisa celui qui invite la lune. Le roi d'Alola lui-même vénérait la bête. D'un monstre obscur, elle libéra toute sa puissance et se jugea les gardiens des îles. La famille royale prospéra, forte de l'obscur pouvoir que celui qui invite la lune capable de gouverner la fin de toutes choses. La créature du soleil et son homologue, la créature de la lune, s'unirent pour ramener la vie dans l'archipel. Les gardiens furent chargés de la protéger. Et bah c'est gentil, hein. Je m'en fous. Quelle belle histoire, c'est le livre de mon papa. Tiens donc. Et c'est une princesse. Voilà. Ok. Bah au moins tu restes là, tu me saouleras pas en train de parler ou de perdre. Oui, je sais qu'il faut que j'aille à la route 10. Je sais, je serais déjà parti si tu avais arrêté de parler, hein, tu vas me dire. C'est toi qui m'as fait perdre du temps. Surtout, je suis venu je suis venu là, c'est tout moi pour rien. Hein. Bon, route 10, elle est où? Oh non, mais je veux pas, toi. C'est un combat, en fait, en plus. C'est des gens qui font leur boulot, oui, je sais, mais bon. Allez, venez vous battre. Enfin, ce sont des gens de la... Des ordures, je sais pas comment ça s'appelle, là, qui font leur boulot, évidemment. C'est très bien. Le père et le fils qui veut laisser son travail à son fils. Mais lui, il est feignant, donc il veut pas travailler. Donc la bonne idée... C'est que je me batte contre lui pour lui montrer que c'est... Il faut se battre pour avancer dans la vie. Hop. Donc je vais lui dire oui. Voilà. Voilà, une petite histoire. Et voilà. Hop. Comme ça, il comprend bah, que je suis plus fort que lui, donc il va vouloir travailler. Ah, nettoyeur. Let's go, donc c'est au gros Tanmorv, évidemment. Et son fils, c'est Tanmorv, bien évidemment. Jusque-là, c'est logique. Il est joli en plus, toutes les couleurs. Bec canon. Allez, tu chauffes ton bec. Putain, il est vite. Connard. On recommence. J'ouvre son bec. Mais il se fout de ma gueule ou quoi? Deux fois de suite. Putain, mais tu fais chier. Bon, c'est comme ça. Hop, je remets ma vie. Au moins, mon tour servira à quelque chose. Autant pas perdre de temps. Hein. Bah tant mieux, sinon je serais mort là. Je suis bien fait empoisonner, évidemment, comme par hasard. Putain, ça me saoule. Ouais, cher, allez, poison. Picor 27 quand même, il est, hein. Bon, je suis plus fort que lui, mais... Oui, je sais que t'es empoisonné, on s'en fout. Allez, une dernière fois. Et ça devrait être dans le rouge. Putain, il est vite. Il gonfle. Je m'en fous, je le touchais. Voilà, non mais oh. C'est pas toi qui donne les règles ici, hein. Hop là, donc par contre, je suis empoisonné, donc je vais utiliser le truc. Hein. Hop. Donc désolé, hein, vous voyez rien, ce qui est logique, hein, parce que vous voyez pas l'écran du bas. Mais j'utilise la petite sorte de petit, je sais pas comment ça s'appelle, coton-tige. Voilà, pour l'enlever sa maladie. Hop.
Et c'est bon. Monsieur, putain, ça me gonfle. Ça me saoule. Il a évidemment tas de morve. Ce qui est logique. Et donc nous allons attaquer, bah pareil, hein, vite fait. Hop, piqueur. On n'en parle plus. Deux fois, ça devrait être bon. Oh, foiré. Vous foutez une baffe. Bon, bah hop. Hein. Hop. Allez, tiens, casse-brique. Tiens, coup de carte dans la gueule. Hop là. Bon, on n'a pas fait grand-chose dans cette vidéo, malheureusement. Hein. On a beaucoup de papoté, on va dire. Ce que je n'aime pas d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, ils sont éperdus, voilà, faut que je travaille, tout ça, voilà quoi. Ça y est, il a engagé son fiston à la place de lui. Comme quoi, il fallait ça pour qu'il puisse avoir un boulot. Eh oui, t'es ton propre patron maintenant. Ouais, il fallait cette défaite à son fils pour que bah, il comprenne la vie, quoi. Une cuillère tordue. Ok, merci. Allez, on s'en fout, putain. Merci. Ce qui change, c'est quand ça parle, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Évidemment, il y avait un truc là. Vitesse. Ouais, bof. J'aime pas les trucs plus. Chaque fois, je les revends. Non! Ah bah tiens. Antidote. Cool. Je frappe pas là, de toute façon, n'inquiétez pas. Je n'ai pas le choix. Donc la roue 10, elle est où, mon Dieu? S'il vous plaît. Ah bah voilà. Et ben on va s'arrêter là, on va faire ça la prochaine fois. Donc bah je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous en remercie, ça fait toujours gentil. Et assez agréable. Mettez un commentaire si vous voulez. Puis bah, à la prochaine pour la suite de l'aventure. Merci à tous. Bisous.